Excellences, Messieurs les Présidents de la République, encore une fois, bienvenue à ce point de presse. Alors avant de passer aux échanges, vous le permettez, j'invite Messieurs les Ministres des Affaires étrangères de la RDC, Messieurs Christophe Lutundula, pour le communiqué final conjoint en français tout d'abord. À l'issue de la visite officielle de Son Excellence, Monsieur Cyril Ramaphosa, Président de la République d'Afrique du Sud, en République démocratique du Congo. À l'invitation de Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, Son Excellence, M. Cyril Ramaphosa, Président de la République d'Afrique du Sud, a effectué une visite officielle en République démocratique du Congo du 5 au 6 juillet 2023. Le président Cyril Ramaphosa était accompagné d'une forte délégation gouvernementale de son pays constituée de 9 ministres et autres personnalités importantes en charge des questions spécifiques inscrite à l'ordre du jour de la 12e session de la Grande Commission mixte. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tenue à Kinshasa du 1er au 6 juillet 2023 des travaux de la 12e session de la Grande Commission mixte République démocratique du Congo, République d'Afrique du Sud. Elle était précédée du 4 au 5 juillet 2023 par la réunion ministérielle mixte de la 12e session de la Grande Commission mixte République démocratique du Congo, République d'Afrique du Sud, elle-même précédée par la réunion de hauts fonctionnaires des deux pays du 1er au 3 juillet 2023. Au cours de cette visite, les deux chefs d'État ont reçu les rapports de la réunion ministérielle qui s'est tenue du 4 au 5 juillet 2023. En préparation du 12e sommet de la Grande Commission mixte République démocratique du Congo, République d'Afrique du Sud. Ils ont eu un tête-à-tête lors duquel ils ont notamment abordé des questions d'intérêt commun au niveau bilatéral, régional et international et réaffirmé leur volonté commune de renforcer les relations d'amitié et de partenariat qui existent entre les deux pays. Les deux chefs d'État ont adopté ce rapport et ses 81 recommandations résumées comme suit. Il existe une bonne coopération entre les académies diplomatiques des deux pays. Plus de 1000 diplomates de la RDC ont été formés en Afrique du Sud. Une coopération robuste et historique existe dans le domaine de la défense et de la police. L'une des principales préoccupations soulevées au sein de la Grande Commission mixte est l'insécurité persistante dans la partie orientale de la RDC depuis la résurgence du M23. Les deux chefs d'État espèrent que les efforts en cours pour coordonner les initiatives des partenaires régionaux et internationaux produiront des résultats qui garantiront la paix et la sécurité en RDC. Au niveau des affaires sociales et humanitaires, il a été accepté d'incorporer certains domaines de besoins dans l'accord actuel afin de traiter les points suivants. Programme de soutien aux familles et communautés déplacées, intégration de groupes vulnérables tels que les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes vivant avec handicap, les jeunes et la gestion de l'aide humanitaire et des catastrophes. Les questions d'immigration ont été soulevées tout au long des débats par la RDC. Elles nécessiteront une attention particulière. Parmi les questions soulevées figure l'exemption des visas pour les détenteurs de passeports ordinaires, les réfugiés congolais en Afrique du Sud, les visas pour les conducteurs de long trajet dans le corridor nord,
la lutte contre la fraude dans la gestion de visas et les ressortissants sud-africains qui rencontrent des problèmes en RDC. L'Afrique du Sud a également engagé la RDC à travailler avec l'imprimerie gouvernementale sur les documents de sécurité et des valeurs faciales. En ce qui concerne la coopération économique, il est reconnu que le traité sur le projet hydroélectrique du Grand Tinga, signé en 2013, revêt une importance stratégique pour les deux pays et que les mesures devraient être prises pour accélérer la mise en œuvre complète de ce projet. En outre, l'Afrique du Sud et la RDC ont convenu d'approfondir leur coopération dans le domaine d'une chaîne de valeur dans le domaine des batteries pour véhicules électriques et d'autres chaînes de stockage. La CSA, la CAA et l'ANTS se réjouissent de collaborer avec leur équivalent à RDC, la RVA, pour développer les aéroports et toute autre fonctionnalité dont ils pourraient avoir besoin en matière de navigation aérienne et d'infrastructure. Transnet et PRASA ont la possibilité de travailler avec la RDC sur les ports, le rail et les matériels roulants. La convocation du Forum économique en marge de la Grande Commission mixte a donné plus de poids à l'événement et a également créé une plateforme pour réfléchir sur l'état de relations entre les deux pays, examiner les affaires et le commerce actuel afin d'apporter des solutions et d'identifier de nouveaux domaines de coopération. La réalisation globale était le renouvellement de l'engagement et d'intensifier la coopération sur tous les plans. Il a été convenu de suivre et d'évaluer fréquemment l'impact des décisions de la Grande Commission mixte. Il est prévu que la première réunion ait lieu en Afrique du Sud en octobre 2023. La coopération entre l'Afrique du Sud et la RDC en particulier, dans le domaine du renforcement des capacités, devait déboucher sur un État capable de maîtriser le destin de sa population. Une telle démarche va bien augurer la vision qui sera celle de la RDC et de l'Afrique du Sud de doter le continent africain de capacités humaines et de ressources nécessaires pour leur développement. À l'issue de sa visite, Son Excellence Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine, a adressé une invitation à son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, à visiter la République d'Afrique du Sud à une date qui sera convenue par la voie diplomatique. Je vous remercie. And the interpretation was very, very good, so nothing was missed, and I believe our presidents have a full and proper report. All I would want to emphasize is the discussion concerning the Grand Inga hydropower project, which I believe is one of the most important of the decisions that our Binational Commission has agreed upon. You'll recall that the treaty on the Grand Inga hydropower project was first signed in 2013. We have not had sufficient action on it and have agreed that this project on hydropower is of significant strategic importance to both countries and indeed to the Southern African region and most likely the continent as a whole. Hence, we have agreed that urgent steps must be taken to expedite the full implementation of this project, and the first step will be a renewal of a commitment to the treaty on the Grand Inga hydropower project. I just wanted to make that emphasis because this is a significant plus for DRC, for South Africa, for Southern Africa, and for the African continent. I thank you, Your Excellencies.
Nous avons évidemment parlé de, du problème qui nous touche au plus haut point en ce moment, qui est sécuritaire. Et ça, c'est depuis hier soir. Je tiens d'ailleurs à remercier et à saluer le président Cyril Ramaphosa pour cela, sa présence, mais également et surtout ses préoccupations vis-à-vis de la sécurité et de la stabilité de la République démocratique du Congo. Et donc, nous nous sommes vraiment appesantis sur ce point et il a manifesté un désir ardent de soutenir la République démocratique du Congo. Et nous envisageons même peut-être d'avoir des accords bilatéraux en plus de ceux qu'il y a au niveau de la SADC au sujet de la solidarité entre les États lorsque l'un de ceux-ci est agressé. Ben, là, nous envisageons même un accord bilatéral Afrique du Sud, RDC, à ce sujet. Mais on en saura plus dans les jours ou les semaines à venir, parce qu'évidemment, ce sont des décisions qui doivent se baser sur des législations émanant de nos parlements respectifs. Au-delà de ça, nous avons évidemment parlé économie, développement de nos pays, et je crois que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, a suffisamment étayé les domaines dans lesquels nous nous sommes appesantis, parce qu'ici, il est question de créer un axe Pretoria-Kinshasa, lequel axe va avoir des résultats positif sur toute la région d'Afrique australe, parce que ce sont deux grands pays qui ont des atouts considérables, je ne vais pas revenir sur les atouts des uns et des autres, et qui ont besoin d'être les moteurs de la région, qui en ont les capacités d'ailleurs. Voilà en grande ligne ce que nous nous sommes dit, mon homologue et moi. Et nous nous sommes réjouis quelques instants plus tard lorsque nous avons reçu la restitution des travaux entre nos délégations respectives de nous rendre compte qu'effectivement, nos pensées en tout cas, se sont reflétées dans les réflexions et les discussions qu'il y a eu entre nos délégations. C'est donc, nous sommes prêts maintenant à entrevoir une relation davantage plus solide et plus efficace, porteuse de fruits et de résultats, cette fois-ci, beaucoup plus probant et plus bénéfique à nos États. Voilà ce que je peux dire en substance. Excellence, Monsieur Cyril Ramaphosa, Republic of the Congo. So, do you have a message, any message for Congolese people? Well, thank you very much. It's a real joy and a pleasure to be here in the DRC and also to have been so warmly welcomed by President Tshisekedi, as well as the people of the DRC. We value the relationship between South Africa and the DRC greatly. It's a relationship that dates way back and has its great the strong foundation from the commitment that Nelson Mandela demonstrated towards the DRC right in the beginning and the troubled days. And we were overjoyed when things started falling into place. It's a further consolidation of that relationship and the commitments and the decisions that were made by our respective parties. And let me tell you that our ministers and officials worked extremely hard in the past 3 or 4 days in preparation for this
bi-national commission meeting, and we've arrived at 81 decisions. Decisions around important and fundamental issues of consolidating and cementing our partnership. That should tell everyone that this is indeed a very special partnership between the two countries. And I couldn't agree more with President Tshisekedi when he says it's a Pretoria-Kinshasa nexus that links the two countries together, and the agreements as well as the decisions that have been taken just help to cement that relationship and solidify it. As earlier said, we are willing, prepared, and always ready to support the DRC as we have done in the past and will continue doing so, even in its most challenging times, such as security, as well as its economic development. As President Tshisekedi says, on the issue of security, South Africa has been heavily invested and heavily present in the DRC on the eastern side, and we are also going to strengthen that relationship by having a bilateral agreement on security and defense. That is going to be finalized, and I'm really pleased that our ministers of defense have had really deep discussions around this. But the economy is another area of cooperation between the two countries. Our two countries have a lot of resources, resources that are attracting everyone in the world. And we have said that through our ministers of minerals and energy, we should find a way in which we upgrade our cooperation. And the idea that we've put forward is that we should have a minerals forum where the two countries, as well as others, can put our top-class people together to talk about what we should do with our minerals. The DRC has enormous endowments when it comes to minerals, particularly strategic and critical minerals. South Africa also has the same, and a number of other countries. And the idea that we should have a minerals commission which will assist all of us, particularly in SADC, to manage our minerals correctly so that they are not plundered by those from outside our region and continent, so that we establish policies so that we are able to attract investments together to beneficiate our minerals, so that we no longer see our minerals going out of our countries as stones and sand. We should see us exporting products made in our own countries out of the minerals that we produce. Trade is another important area of cooperation. Aviation is another important area, and agriculture is another important area. Transportation, the building of roads in our two countries. So this relationship is so rich, and we want to make it even more rich so that we get business people from both South Africa and the DRC dealing with each other. We will be going to a business forum, President Tshisekedi and I, after we leave here. And so the two countries have a lot that they can exploit and develop. Minister Pando spoke about the Grand Inga project. Now, this was signed in 2013, and it has
just been lying dead. Through this BNC, we have now recommitted ourselves. I spoke about it in Europe a few days ago and called upon the world, particularly the financing institutions, help fund this mega project. This we see as a continental project because the power that will be generated from the Grand Inga, and so will a number of other countries. So we stand in great support of the Grand Inga project, and we're very grateful that the DRC came up with the idea of this project, and we support the DRC. We're going to be joining the DRC as well to make this project come alive, because it has been sleeping and dead for quite a long time. So our presence here is a great success, in that the relationship is now going to be turbocharged. It's going to be put at a much higher level, and we're going to be able to get things done. And the other important thing is that we want to go beyond talking and get into action and implementation. So our ministers are going to meet in what we call mid-term processes before President Tshisekedi comes to South Africa for the 13th bi-national. We will have a mid-term, the ministers will meet, review what we have all decided to do, and take activity forward. So I am personally very pleased to be here, and I want to thank our ministers, President Tshisekedi, on both sides. I know they've been working very hard, and they were not sleeping or resting on the banks of the Congo River. They were really working, and we thank them for that. Thank you, Mr. President. Mesdames et messieurs de la presse, de poser des questions qui n'ont pas été dites, on va dire, dans le communiqué final, parce que le communiqué final, on est d'accord, a été quand même assez éloquent. Et puis les deux chefs d'État se sont mis, mais il intervient ici dans le cadre de la SABC Africa. Le micro arrive. Conflict, the one by the M23, should be resolved through dialogue. The DRC government isn't willing to have any dialogue currently to try and resolve, help the DRC resolve this problem that has brought so much suffering to the Congolese people. Eddie and I had wide-ranging discussions on many issues, and we also shared our common view on the resolution of conflicts, not only on our continent, but globally as well. And we agreed that the best way that is tried and tested of resolving conflicts is through dialogue. Through when people sit down and are able to find ways of negotiating. And the conflict that's going on the east of DRC is a conflict that is being processed, that's being addressed by our regional organization, as well as by the AU. And SADC is also involved, as is the East African Community, as is the AU, and all those processes involve dialogue, negotiation, conflict resolution. It involves people who are appointed and chosen to intervene in those dialogues. President Lorenzo of Angola is involved, and the various structures of the AU are also involved. And all that is about negotiation, my good friend. It's about dialogue. And President Tshisekedi could never be against resolving conflicts through this tried and tested method of resolving conflicts. I was also able to share with President Tshisekedi the other initiative that African leaders from seven countries have engaged upon to try and see how best the conflict
that is thousands of kilometers away from our continent can also be resolved. And that too is underpinned by dialogue and negotiation. And that is the message that we also took to Ukraine and Russia. And we told them that this is the tried and tested method that we utilize on our continent to resolve conflicts. So that being the best method to resolve conflicts cannot be rejected by anyone. And indeed, it is also embraced by leaders in the SADC region, as also demonstrated on many occasions when President Tshisekedi has briefed SADC leaders about this conflict as well. So thank you very much. Avant de répondre à la question que vous m'avez posée, permettez que je renchérisse sur ce qu'a dit le président Cyril Ramaphosa pour aussi répondre en même temps à votre question, la question que vous lui avez posée. Pour dire ceci, c'est la première fois que j'entends que nous refusons de discuter avec le Rwanda. Le Rwanda, je vous le rappelle, n'a jamais reconnu, ou si vous voulez, a toujours menti sur la vérité de ce qui est son agression contre la RDC. Il a toujours présenté le problème comme étant un problème interne au Congo et les supplétifs du M23 comme étant des Congolais qui sont révoltés à cause de ce qui arrive à leur communauté. Mais tout le monde sait aujourd'hui que c'est un mensonge et le Rwanda est le seul encore à nier cela, à continuer de dire qu'il n'agresse pas la République démocratique du Congo malgré toutes les preuves et documents qui attestent le contraire. Donc vous comprenez que dans une telle situation, c'est très difficile de discuter avec le Rwanda puisqu'il renie son véritable rôle et qui plus est veut nous ridiculiser en nous envoyant un groupe ou un groupuscule même d'individus qui ne sont que des faire-valoir pour discuter avec un gouvernement comme le nôtre, légitime et reconnu internationalement. Donc il nous envoie ces supplétifs cherchant à ce que nous allions dans des discussions avec eux pour retomber dans les travers du passé. C'est-à-dire, après les discussions, il va y avoir une scission dans ce groupe-là. Un groupe va venir en République démocratique du Congo essayer de rentrer dans les institutions, principalement l'armée, et l'autre groupe va faire dissidence pour rester en réserve et se préparer à d'autres agressions. Parce que la réalité, c'est que le Rwanda vit de ça. Ces agressions à répétition, cette instabilité entretenue de la RDC profite énormément et économiquement au Rwanda. C'est ça la vraie raison. Voilà pourquoi le Rwanda ne voudra jamais discuter et voilà pourquoi la République démocratique du Congo refuse de discuter avec ces pantins qu'on nous présente comme des gens qui revendiquent quelque chose. Et donc, nous disons, il y a depuis la première rencontre au sujet de cette crise à Nairobi, puis ensuite le bilatéral que l'Union africaine avait chargé l'Angola d'organiser, il y a désormais, depuis lors, un schéma que nous avons tous avalisé, qui passait par le cessez-le-feu, le retrait, le cantonnement de ces forces terroristes, et ensuite leur introduction dans le programme des DRCS, donc désarmement, démobilisation et réinsertion ensuite. Donc c'est ça que nous demandons et que nous attendons. Et pour passer maintenant à votre seconde question, j'avais critiqué et non pas rejeté la force est-africaine, critiqué leur comportement vis-à-vis justement de ces accords dont je viens de parler, qui sont clairs. Le SOFA est très clair, avec des dates précises et des modalités même de retrait et de faisabilité, de mise en œuvre de cet accord.
Et malheureusement, le contingent est-africain, en arrivant, n'a pas observé cela. Nous avions remarqué dans les localités où le contingent ougandais et kényan principalement s'était déployé, il y avait comme une connivence avec les rebelles. Il leur permettait de lever des taxes et de se comporter comme en terrain conquis, ce que les Burundais ne faisaient pas. Donc nous avions juste fait remarquer cela. Depuis lors, nous avons eu des discussions franches et nous nous sommes dit les choses. D'autres modalités ont été arrêtées. Nous avons maintenant d'autres dispositions et nous verrons d'ici septembre si tout cela se concrétisera. Et à partir de là, nous redéfinirons les choses en fonction de la manière dont elles se seront déroulées. Alors, quant aux forces de la SADC, je crois qu'il n'y a peut-être pas une bonne compréhension. Nous n'avons pas demandé l'aide de la SADC. Vous devez le savoir, au sein de la SADC, il y a un devoir de solidarité déjà. Donc, nous n'avons même pas besoin de demander cette aide, elle va de soi. Parce qu'au sein de la SADC, lorsqu'un membre est attaqué, les autres ont le devoir de solidarité. Et c'est ce que la SADC a exprimé en m'invitant à cette rencontre de la Troïka, donc c'est le mécanisme de paix et sécurité de la SADC, pour que j'explique la situation de la République démocratique du Congo, mon pays. Et c'est suite à cela que, devoir de solidarité faisant, la SADC a exprimé son désir de venir aussi en RDC, parce qu'obligé par notre charte. Et donc, depuis lors, il est question maintenant de mettre cela en œuvre. Mais vous le savez, je l'ai dit, il y a la force est-africaine qui est là. Il faut d'abord observer comment est-ce qu'elle va se comporter. Et la force de la SADC reste en attente et toujours à la disposition de la République démocratique du Congo pour intervenir à tout moment. Et depuis la semaine dernière, je pense, VPM Affaires étrangères, à Luanda, nous avions convenu devant l'Union africaine et les représentants des autres communautés régionales de donner à la République démocratique du Congo la coordination de toutes ces décisions, le management de toute cette crise. Ça voudrait dire donc que le jour où la République démocratique du Congo le décidera, elle adressera alors formellement un quitus, son quitus ou son go à la SADC pour qu'elle déploie enfin ses contingents ici. Donc pour le moment, nous sommes avec la East African Force et nous voyons comment le désengagement de ces forces terroristes soutenues par le Rwanda va s'effectuer. Jusqu'à septembre, nous n'avons donc aucun commentaire à faire sur cela et nous aviserons d'ici là. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Grasse. On ne peut pas dresser un bilan définitif à ce stade. Les relations internationales étant pérennes, inscrites toujours dans la continuité, dans l'éternité, je peux dire que jusqu'ici, ce qui s'est passé était bien, mais nous pouvions mieux faire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Il y a toujours, dans les relations internationales, la possibilité d'améliorer les choses. Et c'est ce sur quoi nous nous sommes penchés cette fois-ci. Vous avez bien entendu le président Cyril Ramaphosa le dire, mais avant, dans le compte-rendu du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères également, on a insisté sur le fait que nous allons devoir faire le suivi et la mise en œuvre de cela. Parce que ces résolutions ont toujours été prises et répété en vœux pieux, et aujourd'hui nous allons tout mettre en œuvre pour que cela devienne réalité. Et surtout en ce qui concerne
le milieu des affaires, parce que comme vous le savez, la difficulté qu'a l'Afrique aujourd'hui, c'est de commercer avec elle-même. Le plus grand nombre d'échanges commerciaux et économiques que l'Afrique fait, c'est toujours en dehors du continent. Le taux d'échange entre Africains est de 16%, si mes souvenirs sont bons, et c'est très, très peu. Alors que l'Afrique, c'est un continent de près de 2 milliards d'habitants, un marché de près de 2 milliards d'habitants. Et si nous résolvons le problème de l'intégration continentale, je crois que nous allons arriver à devenir une puissance économique et commerciale qui rivalisera avec les autres puissances économiques et commerciales de ce monde. Donc nous avons besoin de davantage accentuer la coopération entre nos États. J'ai parlé tout à l'heure de l'axe Pretoria-Kinshasa. Ça signifie, entre Kinshasa et Pretoria, vous avez deux pays qui sont potentiellement riches, qui sont démographiquement bien peuplés et qui peuvent, avec leur influence, booster toute la zone d'Afrique australe et l'amener à un autre niveau économique, ce que nous souhaitons tous. Bien évidemment, cela passe par davantage d'échanges et surtout de suivi des résolutions que nous prenons ici. Et c'est cela, pour répondre à votre dernière question, que j'attends de l'Afrique du Sud. Parce que nous avons dit les choses ici autrement qu'elles n'avaient été dites jusqu'à ce point, et j'espère aussi que nous allons les faire autrement qu'elles n'avaient été faites jusqu'à ce point. Voilà, merci. Alors, mesdames et messieurs de la presse... Les communiqués finaux en affirmation, la ministre sud-africaine a mis l'emphase sur ce programme, ce grand projet, même le président Ramaphosa, c'est pour montrer l'intérêt attaché à ces grands projets, le contrat d'exclusivité. Parce que l'Afrique du Sud est intéressée, il y a d'autres pays... Bien sûr, et je continue à refuser l'exclusivité. Monsieur Andrew Forrest, puisque c'est de lui qu'il s'agit, lorsque vous évoquez son entreprise Fortescue, connaît ma position, parce que dès les premiers instants où j'ai eu cet échange avec lui, je lui ai dit que je voudrais que le projet INGA soit un projet international, ouvert, multipartite, ouvert à plusieurs partenariats, et surtout les Africains. J'avais vraiment insisté sur ça, et vous entendrez partout où M. Andrew Forrest s'exprimera au sujet du Grand INGA, il répétera cela en disant « Notre porte reste ouverte à tous les autres partenariats ». Alors, il se fait que... J'ai l'impression que, au niveau du développeur, comme vous le dites, la firme Fortescue n'a pas vraiment rempli les conditions qu'on attendait d'elle. Mais comme le projet n'était pas fermé et uniquement consacré à un partenariat avec Fortescue, donc nous nous sommes sentis libres de discuter avec d'autres potentiels partenaires. Et aujourd'hui, je peux le dire, l'Afrique du Sud a exprimé non seulement son intérêt, mais également son engagement à venir. J'ai eu aussi, il y a quelques semaines, des discussions avec les représentants de la Banque mondiale, et je peux vous dire que, de ce côté-là aussi, la Banque mondiale est de nouveau dans l'engouement de vouloir revenir dans ce projet, parce que elle en a été écartée pour des raisons que j'ignore. Ça s'est passé avant mon avènement à la tête de la RDC, donc je ne saurais pas le dire. Mais là, elle exprime de nouveau les intentions de revenir, son intention de revenir dans la danse. Et donc voilà, les cartes sont de nouveau prêtes à être redistribuées et le projet prêt à prendre forme. Et je terminerai peut-être par aussi l'intérêt manifesté par la République populaire de Chine, parce que dans mon entretien avec le président Xi Jinping, il ne l'avait pas exclu non plus. Mais évidemment, je crois que tous ont besoin d'une architecture
d'un montage financier de ce projet pour connaître les capacités des uns et des autres à pouvoir donc prendre le taureau par les cornes. Et donc je crois que, évidemment, il y a de l'engouement et de l'espoir. Le projet Grantinga verra le jour, ça c'est certain. Le ministre des Affaires étrangères avait évoqué certaines exemptions en ce qui concerne l'obtention des visas. Il a cité une certaine catégorie, mais on le sait aujourd'hui en RDC. And the broad topic of immigration, and as you correctly say, the relationship between DRC and South Africa is not only improving, it is at a very high level because we work very well together on a number of issues, ranging from security, and we're going to be improving trade and investment, as well as visas. And we have both recognized that it is important to allow the movement of people as well as goods between the two countries. And to that end, we are going to be focusing a great deal of attention to the visa regime between the two countries. You all know, I mean, people do get diplomatic visas, they do get business visas, and we now need to be looking more closely at how we can enhance the whole process of granting visas for people from the DRC to come to South Africa. We do go through a process, not only with the DRC, but with many other countries. And that process is underway, and we are going to be addressing this matter. What I can tell you is that this matter was raised very, very prominently in our discussions, and we are going to continue in various ways to look at how we can make it practical. The willingness, the intention, and the objective of making sure that there's free movement of people between our two countries is there. We just need to look at the modalities and the practical side of it. So I just want to leave a hopeful message to people in the DRC that on South Africa's side, yes, it's not that we are not willing to open up. We just need to look at the various modalities and the various processes. So when we next our mid-year term review, as well as our next BNC, we will have made a great deal of progress in that regard. Thank you. Et la dernière... Comme peut attendre la République démocratique du Congo, de l'Afrique du Sud et de quelle nature? Comme appui, soutien pour la tenue des bonnes élections en RDC en décembre. Go through the election process. We have always supported all democratic processes in the DRC and calling for stability of the elections and their success. With the last one, we did exactly that. With this one, we will do exactly the same, and we are prepared to give practical support as well in every way that is possible. And we call on the people of the DRC to ensure that they hold peaceful elections that will have a credible outcome, as to be welcomed and recognized by all. And when you do that, you will be entrenching democracy in the DRC and demonstrating to all in the world that the DRC, one, is stable, two, is democratic, and is seeking to be a very, very prosperous and successful country. So we support the elections and hope that they will go well, and our support is unconditional. Thank you. Merci beaucoup, Excellences, Messieurs les Présidents de la République. Merci. Thank you.